Former, c'est notre devoir, former, c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire des Kounouma News ce jour, Bi et Advance Atlantique valorisent le secteur mototaxi au Cameroun. Le changement, une priorité, Orange en fait son affaire. Portrait de la semaine dans ce journal, à la découverte des Pyrrhus Koudjou. Voilà pour les titres. Partenariat Bi et Advance Atlantique Assurance, les mototaxis valorisés. Bi et Advance Cameroun ont mutualisé leurs forces dans le but d'accélérer la bancarisation et la formalisation du secteur de mototaxis au Cameroun et dans toute l'Afrique. Bi recrutera les chauffeurs, analysera le risque par chauffeur, transmettra les profils des chauffeurs à Advance Cameroun, transmettra également les profils des chauffeurs à Advance Cameroun, équipera les motos des GPS, se chargera du suivi opérationnel des chauffeurs, collectera les remboursements journaliers sur l'application Bi. Advance Cameroun, quant à lui, financera l'acquisition des motos avec tous les papiers, offrira des crédits scolaires et autres crédits à la consommation aux chauffeurs moto-taxi sous la supervision de Bi. Advance Cameroun ouvrira également un compte bancaire à tous les chauffeurs financés. Ce partenariat donnera la possibilité à Bi de financer 3600 chauffeurs moto-taxi dans les prochains mois. Électricité, Orange Cameroun affirme avoir réduit de 30% sa facture grâce à l'installation des équipements solaires. Si la filiale locale du groupe français Orange n'a pas communiqué sur ce que représente cette réduction en termes de gains financiers, elle a cependant affirmé que l'installation de ces panneaux solaires fait partie de ses initiatives en faveur de la préservation de l'environnement. Nous optons pour les énergies renouvelables afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre liées à notre activité, a expliqué Justo Ndoumbé Epé, chef de département communication et institutionnel chez Orange Cameroun. Toujours Orange Cameroun, le changement une priorité. Orange renforce son engagement social et environnemental en impliquant ses salariés à travers le programme Orange Engage for Change. Plus de 700 employés de Orange Cameroun pourront désormais participer à des diverses initiatives écologiques à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement et tout au long de l'année. Place au portrait de la semaine. Pyrrhus Koudjou est notre figure du jour. C'est un tech entrepreneur camerounais spécialisé dans le domaine de l'agronomie, diplômé d'une licence professionnelle en gestion de logiciels, administration de bases de données et administration réseaux et systèmes. Il est le fondateur et le président directeur général des cliniques Adro, une start-up conçue pour aider les agriculteurs à réduire les pertes des cultures. En plus des cliniques agro, Pyrrhus Koudjou a fondé Promagric en 2016, un marché virtuel reliant directement ou indirectement les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles pour faciliter les transactions de vente. Pyrrhus Koudjou dirige aussi plusieurs autres projets tels que Buntu, Awadata et Tchoussa IA, des innovations qui lui ont permis de remporter plusieurs prix tant au niveau national qu'à l'international. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous au nord. Retrouvez-nous en repli sur l'application Ekounouma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.